Comment s'y prenaient les médias à l'époque avec un Le Pen qui faisait pas les scores que fait aujourd'hui sa fille. Donc je pense qu'il y a pas mal de trucs à voir. J'en ai moi-même regardé 20 minutes, je voulais pas tout me spoiler, mais j'ai vu en 20 minutes que déjà il y avait plein de trucs intéressants. Donc voilà, je vous ai dit, la vermine capitaliste d'abord, la vermine fasciste ensuite. Mais vous savez, finalement, des fois entre les deux... C'est l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette. Allez, on... café. Ouh, fait chaud. Il fait un peu chaud, hein, toujours vigilance orange canicule, hein, jusqu'à demain après-midi, si vous êtes comme moi en région lyonnaise. Point info trafic, il y a de gros bouchons, d'ailleurs, entre Lyon et Valenciennes. Ça c'est pas très utile. Non, c'était pas Sardou, mais ça m'a fait rire qu'il y en ait qui, je sais plus qui dans le chat disait ah bah c'est Sardou. Mais non, c'était pas les cathédrales là. Mais j'avoue que ça commence un peu pareil. J'étais resté sur Moroder, Giorgio Moroder. Voilà. Alors. Ce soir, au programme. Alors ça dépend du temps qu'on a. Ça dépend de mon énergie. Mais j'ai du café. Et voilà, maintenant vous avez vu, en plus je suis devenu raisonnable, je stream plus en rentrant de soirée, etc. Donc là, c'est un stream de culturel et apprenant, c'est pas les streams décadents, c'est les streams où on apprend des choses. On essaye en tout cas. Donc dans une première partie, on va parler d'économie, c'est la folie. Donc qu'est-ce que je vous ai mis de côté? Ça, voilà, un article de 3 pages de Romaric Godin. Sur la chute record du PIB en France, hein, vous l'avez vu, alors on vous le dit, moi je l'ai entendu hier, j'étais sur France Info, ça tournait en boucle. Qu'est-ce que ça veut dire cette courbe là qui a l'air très inquiétante, parce que quand ça, là ouais, ça chute, hein, bon. Et ça va être quoi les conséquences, vers quoi on va, comment on s'est endetté, alors on avait déjà vu un peu ça avec Bruno Le Maire, avec aussi notre camarade Geoffroy Roux de Bézieux. Mais là, voilà, on aura des chiffres, on aura des trucs. Et ensuite, où est-ce qu'on en est avec le coronavirus? Peut-être, si on a un peu le temps, l'insouciance est finie. Partout en Europe, les courbes épidémiques s'inversent, ou bien c'est déjà fait. En France, la politique de dépistage manque d'ambition comme d'efficacité, et les premières restrictions à la libre circulation reviennent. Une politique de santé publique plus incitative et responsabilisante est possible. Donc voilà, découvrez Mediapart avec vos avantages de l'été, hein, évidemment, abonnez-vous, mais en attendant, on va quand même au moins décrypter cet article-là, ce premier article. Ensuite, dans un second temps, je pense que je ferai une petite pause, histoire de refaire... histoire de refaire du café, de prendre la bouteille d'eau que j'ai mis dans le congèle et de remettre celle-là dans le congèle, bref. Non, ça, c'est pas ça. Hop, c'était... Bah, il est là, voilà, merci. Il est là. Alors merci, oui, je crois que j'ai vu Dapen Warman tout à l'heure, et merci La Mayoche aussi. Voilà, on va se regarder. Bonsoir. Depuis la fin de la guerre d'Algérie, vous êtes devenu, monsieur Le Pen, un marginal du jeu politique. Et ça, ce sera dans une seconde partie de soirée. Merci. Kevin Thuron. Je vais faire comme Mélenchon, tu sais, je vais vous engueuler quand vous avez des pseudos illisibles. Qu'est-ce que c'est que ça encore, ce nom-là? C'est quoi, ça? Hein? Bon, allez, Crowy Dragon qui revient, mais t'as pas mieux à foutre. Là, je vais te ban définitivement, si tu veux, à la limite. Voilà, ça c'est fait. N'hésitez pas, hein, si vous voulez bannir des gens, si vous êtes déjà modo, vous savez que moi, je ne vous en voudrai pas. Au contraire. Donc voilà. Tac, ça je sors, ça je ferme. Donc on a évidemment ça va potentiellement attirer des trolls, le truc de Le Pen, et sortir aussi des commentaires trolls. Donc ce sera relativement intransigeant dans le chat. Moi en tout cas j'essaierai de l'être si je vois des trucs, et si je vois des trucs et si vous voyez des trucs et qu'il y a un modo qui passe, pareil, faut pas hésiter à y aller franco. On va voilà la cancel culture, on va cancel culture le chat. On va y aller franco, d'ailleurs on va parler de franco, je sais qu'au début il parle de franco. Alors, mais on commence pas par ça, on va commencer par la chute record du PIB en France, ensuite je changerai le titre, je ferai une petite pause et tout. Bon, avant de se lancer là-dedans, comment ça va vous, votre PIB à vous? Hein?
Non, je ne veux pas parler nécessairement de Darmanin. Alors oui, c'est vrai qu'il y a une grosse enquête de Mediapart sur Darmanin. Enfin, une enquête sur la suite de l'affaire Darmanin, surtout. L'autre, il vient en DM me traiter de nazi, mais tu sais. Mais tu peux y aller, mon gars. Alors, toi, t'es chaud du PIB, ça, c'est bien, ça. Et j'ai pas raté un sub, là. Chipsets, oui, non, chipset. Non, c'est bon, je l'ai dit. Non, je l'ai pas dit. Bon, je l'ai pas dit. Je suis prof, donc PIB tranquille. Ouais, bah, j'imagine, ouais. Mon portefeuille boursier perd 5%, bah merde. Bonsoir copain. Pas très convaincu par les arguments de Romaric Godin pour une fois. Je pense qu'il a raison sur le fond, mais il utilise tellement de chiffres qui veulent pas dire grand chose. Ah bah toi tu l'as déjà lu l'article, bah moi je l'ai pas encore lu. Moi je vous le réservais. Je sais pas s'il y a des économistes dans le chat, vous allez pouvoir dire là où ça va pas. Est-ce qu'il y a des économistes dans le chat ce soir? C'est le moment d'investir. Ça, c'était Agnès Pannier-Runacher, ça. C'était pas mal. Intermittent, ouais. Économiste intermittent, peut-être? Je ne dirais pas. Merci, Éric Zemmour. C'est mort. Tu as vu la dernière vidéo de Greg Toussaint? Il te cite à un moment. Non, puis je sais pas qui c'est Greg Toussaint. Ben, je regarderai plus tard, hein. J'ai eu deux premiers chapitres du Capital, ouais, bah que S, ça compte un peu, ouais, je sais pas. Bon, on va essayer d'y comprendre quelque chose, parce que de toute façon, l'économie, c'est pareil, hein, nous, on s'en occupe pas, mais elle s'occupe de nous. Et puis, bah, je garde l'idée qu'il y a, vous savez, j'ai défendu cette idée il y a pas très longtemps avec une copine qui disait, ouais, tu parles pas assez de ci, tu parles pas assez de ça, alors je suis pas toujours le mieux placé pour parler de tout. Mais je pense que normalement, nous, notre camp, on devrait être les mieux placés pour parler un peu d'économie de temps en temps, tu vois. Ça, plutôt que de sauter sur toutes les polémiques au fur et à mesure, pas attendre qu'elle nous pète à la gueule, l'économie, pour regarder quand est-ce qu'elle va nous péter à la gueule, comment et pourquoi. Ça me paraît être un devoir de notre camp. Hier soir, on a regardé Georges Marchais à carte sur table, en 77. Et s'il y avait bien un truc sur lequel il était calé, il avait tous les chiffres, c'était bien l'économie. Donc à nous d'être sérieux aussi. Équipier McDo, donc expert en économie des entreprises de merde, ça compte. Bah ouais, bah voilà, toi t'es quelqu'un dont s'occupe l'économie. N'hésitez pas à fouiller dans les replays si vous êtes abonné, évidemment. Notre camp, celui des gens beaux, ouais, je sais pas. Il n'y a que les médecins qui sont bien placés pour parler de tout. Oui, bah d'ailleurs, ils se privent pas d'ailleurs pour parler de tout, même avec un thé. Hein. Je crois que les médecins ont un petit complexe de supériorité. Ils se croient assez balèzes pour parler un peu de tout parce qu'ils sont médecins. T'sais. Ça dénonce, oui, ça dénonce ici. Ça dénonce les bourgeois, voilà. Salaud de médecins qui soignent les gens et qui en plus donnent leur avis. Quand t'as fait 10 ans d'études, c'est logique. Oui, non, non, puis surtout un truc très sélectif et tout, donc t'as un petit complexe de supériorité quand tu sors de là. Patrice Pelou, oui, évidemment, je pensais à Patrice Pelou. Merci Sacha94. L'économie, c'est pas de se soucier, savoir s'il y a de l'argent, savoir comment on le partage, en effet aussi, oui. Tu penses quoi de marché rouge-brun d'après toi? Bah t'as raté le stream d'hier, voilà. Peut-être on se refera du marché un autre jour. Clairement il se la pète. Ah, ça va, je suis pas le seul sur les médecins. En cours on nous dit que les médecins faisaient des bons politiques, tralala, chouchou, ouais, genre Cahuzac ou Philippe Douste-Blazy Bernard Kouchner. Ah, ça fait des bons politiques. Agnès Buzyn. Je suis con, j'avais oublié Agnès Buzyn. Ah, parce qu'ils doivent prendre des décisions vite et sans tout savoir. Et oui, bah, Buzyn, vous l'aviez dans le chat, je vois ça. Ou Bachelot, c'est vrai, Bachelot. Mais bon, c'est pas parce qu'on est...
Hein ? C'est pas parce qu'on est fort en médecine qu'on n'est pas aussi fort en culture, qu'on peut pas être interchangeable, qu'on peut pas devenir maire de Toulouse. Je crois que Philippe Douste-Blazy est devenu maire de Toulouse. Enfin, mais c'est vrai que le médecin, voilà, c'est le prototype aussi du notable local qui aura aucun scrupule à prendre un mandat, puis pourquoi pas deux et trois. C'est le notable, quoi. Crise éco. Ouais, voilà, on va essayer de voir en tout cas ce que nous dit Romaric Godin de la crise qui vient. D'après les données publiées, allez, on commence, vous êtes 500, on peut y aller. Hein. D'après les données publiées vendredi par l'INSEE, le PIB français s'est contracté au deuxième trimestre de 13,8%, un record, pas un record du monde, hein, mais un record sur la période. C'est un peu moins que les chiffres envisagés par les économistes, mais la chute s'avère plus prononcée qu'en Allemagne, qu'en Italie ou aux États-Unis, et la crise est devant nous. Bon, très bien, super ambiance, ça fait zizir. Donc du jamais vu, au deuxième, donc je vais le lire avec vous, et puis je vais voir là où je comprends pas, je vous demanderai si moi je comprends pas, et vice versa, si vous comprenez pas, demandez-moi, et ça se trouve je comprends pas non plus, on sait pas. Avec modestie, je suis pas médecin moi, hein. Je peux pas faire style que je m'y connais non plus en économie. C'est quoi le record, je sais pas, 29, la guerre, je crois pas que le crack de 73 ait eu ces effets là. Oui, je suis abonné à Mediapart. Ils sont sympas. Du jamais vu. Au deuxième trimestre 2020, le PIB français s'est contracté de 13,8% sur 3 mois, selon une première estimation de l'INSEE. C'est évidemment un record depuis l'établissement de cette statistique en 1950. Donc voilà, c'est au moins ça bat 73. Le précédent datait du premier trimestre 2020, où après seulement 2 semaines de confinement, le recul de 5,9% avait été enregistré. Jamais depuis le début des années 2000, un PIB trimestriel n'avait été aussi faible. Il me semblait qu'on était passé sous le niveau en 2010. Ah non, on est passé sous le niveau en 2005. Ouais, donc c'est ça. Entre le 17 mars et le 11 mai, le pays a été confiné pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Je sais pas si vous aviez suivi cette histoire. L'activité économique a alors été minimale, les restrictions ont encore été fortes jusqu'à début juin, puisque par exemple, bars et restaurants n'ont pu rouvrir qu'à ce moment-là. Pour certains secteurs, la reprise n'a été possible qu'en juillet, et elle n'est pas encore complète. Je rappelle que les boîtes de nuit et les boîtes à partouze réouvrent en septembre. Voilà, vous êtes informés. Et pour ce qui est des festivals, évidemment, les festivals, c'est dead aussi. Voilà. Jusque-là, on comprend. Il n'y a pas de souci. Hein. Et bienvenue à ceux qui arrivent. On commence par un article et puis après on se fait du Jean-Marie Le Pen archive de 84. La gauche est alors au pouvoir. Donc, pendant la principale période de confinement, la quasi-totalité de l'activité marchande a été suspendue. L'État est intervenu pour compenser une partie des pertes, notamment en subventionnant un système généreux de chômage partiel. Mais au sens du PIB, cela ne crée pas de richesse. Il y a donc eu un effondrement que le chiffre de l'INSEE traduit aujourd'hui. Le fait que sur 3 mois, le PIB ait tant reculé confirme que le rebond enregistré en mai et juin n'a pas encore été suffisant pour effacer cet effondrement. Le niveau de l'activité entre avril et mai a été inférieur de 19% à celui du même trimestre de 2019. Jusque-là, c'est normal. Enfin, je veux dire, on pouvait s'y attendre. Cette comparaison permet de mieux mesurer le recul par rapport à un trimestre normal. Logiquement, toutes les composantes du PIB se sont effondrées sur le trimestre. La consommation des ménages recule de 11%, l'investissement de 13,3% et les exportations de 17,8%. L'ensemble de la demande intérieure a enlevé 12 points de PIB sur le trimestre. J'imagine qu'en plus tu rajoutes à ça le tourisme, voilà, qui est quand même une bonne ressource pour le pays. Alors que les jeunes ont plus de boulot. Je pense qu'il va peut-être rentrer spécifiquement après sur les effets concrets de la crise, sur qui, sur quoi. Donc la chute française est plus prononcée que dans d'autres grandes économies qui ont déjà publié leur PIB trimestriel. Si ce vendredi l'Espagne a annoncé une chute du PIB de 18,5% sur le deuxième trimestre, l'Allemagne affichait un recul de 10,1% et les États-Unis de 9,5%. Le chiffre de 32% qui a beaucoup circulé était en valeur annualisée. Même l'Italie fait légèrement mieux que la France avec une chute de 12,4%. Donc je rappelle qu'on parle de trimestre. Sur l'ensemble de la zone euro, le PIB trimestriel recule moins que pour la France, à 12,1%. Cet écart s'explique par 2 éléments principaux. Oui, pourquoi c'est tout pour notre gueule ? Alors,
D'abord, le confinement français a été particulièrement long et rigoureux. En Allemagne, la réouverture des commerces s'est réalisée progressivement à partir de la mi-avril. La France a été un des derniers pays européens à autoriser les déplacements. Par ailleurs, le confinement a été beaucoup plus dense qu'ailleurs. L'université d'Oxford avait tenté, fin mai, d'évaluer quantitativement les réponses des gouvernements à l'épidémie par un indice de confinement. La France a figuré parmi les pays les plus sévères et a appliqué ces mesures davantage que d'autres. Comme la chute du PIB au deuxième trimestre est directement liée au confinement, il est donc logique que la France soit en queue de peloton. Ça, on l'avait vu, je me souviens que même le gouvernement, plus grand l'article, bah je peux pas, mais je suis en HD, si tu mets en HD et que tu mets en full screen, tu verras l'article. Ouais, le gouvernement disait, c'était un des éléments de langage d'Olivier Véran à un moment, c'était « vous en faites pas, on a un confinement béton, on a un des confinements les plus balèzes d'Europe ». Donc du coup, on va confiner correctement, donc du coup, on va soigner correctement. Bon, bah du coup, ça a aussi des conséquences, mais bon, ça, on a aussi vu la baisse du taux du R0, hein. Donc bon, ça a quand même un peu marché. Ensuite, le confinement induit une crise économique d'une nature particulière. Elle frappe directement, en la rendant impossible, la consommation des ménages, et en particulier la consommation de services, puisque ces derniers sont souvent liés à des contacts physiques. Dans un pays aussi, vous voyez, hein, les services, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être la restauration, ça peut être aller dans un salon de massage, ça peut être même les assurances, hein, c'est du service. Ouais. D'ailleurs, il y avait une interview dans France Culture ce matin, qui était assez intéressante. Si vous avez le temps de réécouter la matinale de France Q, alors c'est pas Guillaume Erner, il est en vacances, mais c'était sur le nombre de morts, comment on payait nos morts, c'est-à-dire comment on acceptait de payer pour qu'il y ait moins de morts, ou est-ce qu'à l'inverse, d'autres pays, comme le Brésil, comme Boris Johnson, à un moment, avait voulu faire ce choix, accepter de soutenir l'économie en payant en nombre de morts. Boris Johnson avait dit, avant de se rétracter, avant de choper lui-même le Covid, d'ailleurs Bolsonaro aussi l'a chopé, c'est pas grave, on va faire la stratégie de l'immunité collective. Et il avait même fait ce discours, on l'avait relevé dans les confinotes, qui était assez angoissant, où c'était « préparez-vous à perdre des proches ». Bon, voilà, c'est un choix. Nous, on n'a pas fait ce choix-là, et dans une certaine mesure, si on fait une histoire dans le temps long de l'évolution des mœurs d'une société, de ses cadres moraux et tout, c'est tout à l'honneur de la France et de pas mal d'autres pays d'avoir choisi de payer par son économie pour qu'il n'y ait pas de morts, pour qu'il y ait moins de morts. Bonsoir, Study Gaming. Mais Bolso, lui, il n'a pas changé d'avis, du coup, il a un procès au cul. Oui. Puis il l'a chopé plus tard, lui, son Covid, il me semble. C'est allé assez vite pour Boris Johnson, le Covid. Mais bon, il s'en est rétabli. D'ailleurs, après, il a dû remercier ses infirmiers, ses infirmières, et faire un vague mea culpa, enfin, au max de ce qu'il peut, lui, quoi. Ensuite, le confinement induit une crise économique d'une nature particulière. Donc là, jusque-là, on n'a pas à en vouloir, moi, à mon sens, je trouve qu'on n'a pas à en vouloir au gouvernement. On pourrait lui regretter de ne pas s'y être mieux pris avant. On peut attaquer sur le stock de masques, on peut attaquer sur les conditions de travail des soignants, leur nombre et la crise des hôpitaux publics. Mais sur la décision de confinement, je ne sais pas ce que vous en pensez ici, mais bon, moi, j'ai rien trouvé à redire, quoi. Un mort du Covid contribue plus au PIB qu'un travailleur confiné, c'est de la folie. Alors oui, j'ai vu passer ça aussi sur des économistes, alors je sais plus d'où, qui ont étudié qu'il y a quand même un certain nombre de situations dans lesquelles il aurait été plus rentable de laisser les gens mourir. Bah oui, bah voilà, c'est pour ça que parfois la loi du marché, c'est pas toujours la meilleure. En tout cas, ça ne nous élève pas à notre plus haut degré d'humanité. Confinement hyper tardif, t'as déjà oublié. Oui, confinement tardif, confinement cafouilleux, confinement contradictoire parce qu'il y a eu la tenue des élections municipales. On peut aussi reprocher ça. Mais une fois qu'on était lancé dans le confinement, voilà. Hein, il me semble qu'on n'en soit pas. On en est sorti quand la courbe avait vraiment. Alors là, la courbe, elle remonte. Hein, je sais plus. On peut regarder les courbes, tiens, pendant qu'on y est, parce que je les ai vues passer ici. Ça c'est en mai, nombre hebdomadaire de tests positifs, non mais c'est pas celui-là, tiens, que j'avais vu, nombre de personnes testées, alors oui, mais ça c'est le chiffre du nombre de personnes testées, et évidemment on n'avait pas assez de tests à l'époque, donc c'est pas des chiffres, c'est pas des bonnes comparaisons. On aurait mieux regarder le taux d'occupation des services de réanimation, ça me paraîtrait plus,
Ça me paraîtrait plus pertinent si on veut mesurer quelque chose et regarder des courbes. Mais Le Monde avait fait... Merde, c'est con, je l'avais mis de côté, je l'avais ouvert. Le Monde avait montré un peu les courbes. Mais c'est pas grave, on y reviendra peut-être après si vous voulez des courbes pour voir... bon, en gros, notre courbe, elle est montée, elle est bien redescendue, puis là, elle remonte un peu, quoi. Mais on n'est pas les seuls, c'est pareil en Espagne, c'est pareil dans d'autres régions du monde. Les masques, ça sert à rien d'en porter parce qu'on n'a pas en réserve. Oui, non, mais il y a eu toute l'incurie au cours des masques. Sur les masques, c'était flagrant. Là, personne dira le contraire. Ensuite, le confinement induit une crise économique d'une nature particulière. Elle frappe directement, en la rendant impossible, la consommation des ménages. Mais je l'ai déjà dit, tout ça. Dans un pays aussi désindustrialisé que la France, une telle suspension n'a pu avoir qu'un coût économique élevé. Oui, vu que la France repose beaucoup sur son économie des services, parce qu'on a liquidé un certain nombre de nos industries, et parce que le secteur agricole n'emploie pas énormément, c'est une petite part de la population, il nous reste surtout, beaucoup d'entre nous, on est des employés des services, quelque part. Enfin, même pas quelque part, voilà, il y avait des équipiers à McDo là dans le truc. Et puis moi-même, je suis dans le secteur des services, je suis pas dans le secteur de la production. Donc un pays qui a qui a si peu d'usines, voilà, qui emploie si peu de gens dans les usines et qui emploie tant de gens dans les services, évidemment, du coup, ça devait le frapper plus fort qu'un autre. D'autant que le modèle du pays repose sur des activités qui sont frappées directement par la crise, l'aéronautique et les bateaux de croisière ou encore le tourisme. Voilà, ça, je vous l'avais dit aussi, le tourisme, ça, c'est pareil, ça pique. L'aéronautique et les bateaux. Donc l'aéronautique est et les bateaux, c'est des industries internationales qui dépendent des échanges internationaux aussi. Et c'est sûr que là, à ce moment-là, ils étaient relativement à l'arrêt. La crise du Covid-19 est donc particulièrement très douloureuse pour la France. C'est bizarre comme formulation. Particulièrement très douloureuse pour la France. Il me semble que ça fait doublon, très particulièrement. Enfin bon, d'accord, ça on comprend. La première estimation du PIB permet d'avoir sur ce point quelques éléments. La production de biens manufacturés recule de 19,9% sur le trimestre et de 26,5% sur l'année. Celle des services marchands de 15,3% sur le trimestre et 19,6% sur l'année. Certes, le recul global du PIB trimestriel de 13,8% est moins fort que ce que prévoyait la majorité des économistes qui tablaient plutôt sur une chute de 15 à 17%. Cela reflète sans doute un phénomène de rebond de l'activité un peu plus vif que prévu dans les semaines qui ont suivi la levée du confinement. Car le chiffre trimestriel ne traduit pas une réalité globale. La période du confinement jusqu'au 11 mars est marquée par un effondrement brutal de l'économie au regard de l'activité normale du trimestre précédent ou de celui de l'année passée. Ensuite, la réouverture des commerces et la reprise des déplacements ont provoqué un rebond naturel de l'activité. Donc évidemment, sur la période, c'est pas homogène, quoi. Faudra regarder plus finement. Bruno Le Maire a prétendu dès ce vendredi matin que la chute était moins forte que prévu, comme s'il s'agissait d'une bonne nouvelle. Mais il devrait se garder de tout excès d'optimisme, car un rebond n'est pas une reprise. En effet, lorsqu'on ferme un commerce, son chiffre d'affaires est mécaniquement proche du zéro, hein, peut y avoir un peu de vente à distance. Partant, lorsque ce commerce rouvre, quel que soit son niveau d'activité, la reprise est aussi mécaniquement forte. Fatalement, il y aura des rebonds. Ce que nous dit le chiffre du PIB trimestriel, c'est que malgré ce rebond, il manquait encore 13,8% du PIB à la France par rapport au premier trimestre et 19% par rapport au même trimestre de l'an passé. En clair, le rebond est encore trop faible et trop insuffisant. Ça vous va ? Jusque-là, tout va bien. Vous parlez de quoi ? Vous de télétravail ? Chanson de Marc Lavoine, oui, je sais pas pourquoi. Tu rappelles que les gens de tout âge en meurent, pas seulement les personnes âgées, oui, j'ai vu ça aussi. Bien sûr, prenez pas ça à la légère. Moi, je suis en train de me reconfiner, en fait, doucement. Plus j'en ai marre, là, il va y avoir masque partout. Je crois que c'est à partir de lundi, il y a même, je sais plus quelle ville j'ai vu, où il va y avoir masque obligatoire dans les centres-villes, en France, même dehors dans la rue. Je sais plus si c'est Nice ou Lille, mais enfin c'est un truc en I. Je crois que c'est Nice, parce que je crois qu'après il y avait une déclaration d'Estrosi. Ah non, c'est Lille, d'accord, autant pour moi. Bah, il y avait quand même une déclaration d'Estrosi, de Christian Estrosi juste après, parce que je crois qu'il voulait la même chose pour Nice. Ça doit être pour ça ma confusion. Donc voilà. Inapplicable, bah non, pas inapplicable. Merci Flaviani. C'est pas inapplicable, pas du tout. Regarde, il y a des masques obligatoires quand on va faire nos courses. Alors je me souviens, hier je suis allé faire mes courses, et il y avait un mec,
Il était là à la caisse, tu sais, il rangeait ses courses, et il dit à la caissière, il se plaint, il dit, les masques là, ils commencent à nous, hein, j'en ai marre, hein, machin. Et la caissière, elle l'a envoyé chier, mais tellement. Elle fait, mais. Et alors, oui, bah, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, moi? Bah oui, écoutez, c'est moi qui le porte toute la journée, hein, c'est bon. Elle l'a envoyé chier, ça faisait trop plaisir. Et après, il y avait une autre meuf qui est rentrée, la meuf qui était juste derrière le gars, qui a fait merci de l'avoir envoyé chier, moi je travaille dans un autre commerce, bah oui, c'est les masques, c'est les masques, et puis c'est comme ça, c'est rien de râler, ça rend la journée encore plus désagréable pour tout le monde. Donc vous allez vous y faire, tout le monde va s'y faire, mais en attendant, bah finalement, rester chez soi, c'est pas mal non plus, en plus, moi je peux streamer, on peut parler de tout ça ensemble. Il faudra dès lors prendre garde à ne pas se laisser impressionner par les forts pourcentages à la hausse que l'on enregistrera mécaniquement dans les prochaines semaines dans tous les domaines. Il s'agira d'un phénomène mathématique plus qu'économique qui ne dira rien sur l'état de l'économie et les conséquences sociales de la crise. Donc là, l'idée, c'est ne vous laissez pas avoir par les éléments de langage à base de rebond. Ce rebond, il est mécanique. Les trucs étaient ouverts, les trucs étaient fermés, et ben ils ont rouvert, et ben il y a un rebond. Mais ça ne veut pas dire que c'est reparti comme en 40. Car cette crise économique est particulière. À la différence d'une crise endogène, provoquée par exemple par une surproduction ou un crash financier, l'effondrement a été violent, rapide et contrôlé, au sens où les autorités ont décidé quand et comment fermer et rouvrir l'activité, et où une grande partie des revenus, pas tous, a été préservée. Il y a donc naturellement un rattrapage partiel une fois les mesures levées, et c'est sans doute pour cette raison que le chiffre trimestriel est un peu meilleur que prévu. Mais le confinement n'est pas la crise économique à proprement parler, ce sont ses conséquences qui vont déboucher sur la crise. Et là on va rentrer sans doute dans le dur. Vous savez, depuis qu'on est né, nous on nous dit que c'est la crise. Mais hier on regardait l'émission avec Georges Marchais, on voyait... que de 73 à 77, ils étaient passés de 500 000 chômeurs à 1,5 million. Donc là, ça commence à ressembler à déjà une crise du marché de l'emploi. Il y a des gens qui ont vécu des grosses crises. On a vécu 2008. Il y a des pays qui ont été plus touchés que d'autres à ce moment-là. Est-ce qu'on n'a pas vécu une crise de cette ampleur? Donc c'est dur de se figurer ce que ça peut être. Et surtout, comment on va s'en sortir? Donc j'espère qu'il y aura des pistes aussi sur comment on s'en sort. Tu vois, ça pourrait être intéressant. Bon, alors, la crise économique ne fait que commencer. Quelles sont ses conséquences? Je pense vraiment que c'est un des événements au-delà du... Je suis d'accord que c'est un traumatisme, cette crise sanitaire. C'est un traumatisme historique, personnel pour beaucoup de gens, psychologique, social, politique aussi, parce que, bon, voilà, il y a des responsables qui vont devoir rendre des comptes, il y a des pays dans lesquels il y a des procès. Donc à bien des égards, la crise du Covid a déjà été une crise en soi. Mais la crise économique qui arrive derrière, c'est chaud, quoi. Moi, c'est intéressant de voir que ça va reforger notre monde beaucoup plus que la crise du Covid elle-même, si vous voulez, en tant que conséquence. Et on peut imaginer des éclatements. Je vais pas vous faire un truc à la Mélenchon, mais Mélenchon, il a raison quand il dit que quand vous avez des crises, vous avez des guerres, que la guerre, elle va avec la crise, et que après, on va falloir choisir des solutions politiques pour faire face à cette crise. Il y a des pays qui vont sombrer très mal, il y a des pays qui vont virer extrême droite, je sais pas comment. Il y a des pays qui vont se lancer dans de vastes plans de relance un peu plus keynésiens. Et il y a des pays qui vont voir leur régime politique fragilisé et qui vont voir advenir des situations politiques qu'on ne peut pas encore anticiper maintenant. Et tous ces changements politiques vont aussi provoquer des changements aux frontières de ces pays qui vont provoquer peut-être des déplacements de population, de nouvelles migrations, de nouvelles guerres, de nouvelles revendications territoriales, de nouvelles crises de matières premières, d'acheminement, de crises des flux internationaux. Merci Vader 666. Et je sais pas, voilà, une des hypothèses qu'on peut faire au doigt mouillé, c'est qu'est-ce qui va advenir de l'Union Européenne? Là, le plan de relance, il est vraiment pas ouf, il est même pas très avantageux. Qu'est-ce qui va advenir de l'Union Européenne? Qu'est-ce qui va advenir de l'euro? Là, on va rentrer un petit peu là-dedans, en commençant à parler de la crise à proprement parler. Qu'est-ce que c'est une crise? Comment? Quelles sont ses conséquences à cette crise économique? Privées de capacité d'échanger des biens et des services pendant 2 mois, les entreprises ont naturellement subi des pertes, malgré l'effet de substitution de l'État sur les revenus.
sur donc voilà, les revenus des gens ont été assurés partiellement par le collectif en créant une dette, on verra plus tard pour le reste, mais par contre, c'est vrai que ces entreprises-là, pendant ce temps-là, n'ont pas vécu, n'ont pas pu alimenter leur trésorerie, n'ont pas pu utiliser leur trésorerie pour alimenter la trésorerie des autres, passer des commandes, les honorer les leurs, etc. Merci Godard au foire, merci de t'a offert un abonnement à RAM. Eh ben merci à toi. Donc ces entreprises-là, elles ont une activité qui nécessairement vont avoir un chiffre d'affaires impacté. Ça va se retrouver en plus, il va y avoir un effet mécanique qui fait que même au niveau de l'État, on va percevoir moins d'impôts, on va percevoir moins de taxes de ces entreprises-là. Et puis voilà, au-delà même des effets sur l'emploi, l'effet sur la vie économique globale déjà est pas zinzin. Merci Raf 71. Donc les conséquences. Sur le premier seul trimestre, selon l'INSEE, les marges des entreprises ont reculé de 4 points à 29,6% pour établir leur rentabilité et pouvoir faire face à la fois à la concurrence, à la rémunération du capital et à leurs obligations, frais fixes et remboursement de dettes. Ces mêmes entreprises doivent donc désormais non seulement rétablir leur rentabilité, mais aussi compenser les pertes enregistrées par une rentabilité plus élevée. Elles aussi, elles ont accumulé de la dette. Là, on a créé de la dette public, mais on a aussi créé de la dette privée. Dès lors que la demande demeure trop faible, les entreprises doivent donc procéder à des ajustements. Une hausse des prix est parfois possible, mais elle est assez largement exclue dans la mesure où elle risquerait de réduire encore la demande et où les stocks se sont accumulés. Au deuxième trimestre, les stocks ont progressé de 0,6%. On remarque ainsi une accélération de l'inflation en juillet à 0,8% sur un an contre 0,1% en juin, mais c'est un chiffre qui reste faible, loin de l'objectif de 2% de la BCE et inférieur à l'inflation de juillet 2019. Dès lors, il faut revoir sa base de coûts et ajuster les effectifs en licenciant, évidemment. Cette décision microéconomique entraîne des conséquences macroéconomiques majeures. La baisse directe de la demande par l'effet du recul des revenus dus au chômage et la baisse indirecte de cette même demande par la constitution par les agents économiques d'une épargne de précaution pour se prémunir si le chômage venait à les frapper. Donc double effet du chômage. Non seulement les gens consomment moins parce qu'ils sont au chômage, mais en plus ils consomment moins parce qu'ils ont peur de s'y retrouver. Et d'ailleurs, ça a été aussi chiffré. Alors j'ai pas les chiffres en tête, mais on a épargné. Les Français ont fatalement épargné pendant le confinement. Bah oui, ils ont pas pu aller s'acheter de baskets, ils sont pas allés au resto. Si leur salaire était maintenu, le coût de leur vie, a été moindre. Parfois, ils se sont fait rembourser leur abonnement pour un mois au transport en commun ou je sais pas quoi. Bon, bref, ils ont payé moins d'essence s'ils devaient pas aller au boulot, etc., etc. Donc, il y en a un certain nombre qui ont épargné. Mais si on leur dit ça va être la crise, c'est pour ça qu'on a qu'un petit rebond. Ils vont pas tout reclaquer tout de suite en sortant du confinement. Ils flippent un peu, donc du coup, ils vont garder un peu de côté. Alors quand vous faites des pavés comme ça, plus vous faites des pavés, moins il y a de chances que j'ai le temps de les lire. Voilà, ils t'ont remboursé une partie de l'assurance auto, voilà. Donc voilà, paradoxalement, on a un peu épargné, mais c'est pas de l'épargne dont l'économie a besoin. C'est l'économie, elle a besoin que ça circule, elle a besoin que vous achetiez, elle a besoin que vous investissiez, que vous achetiez, un logement, que vous preniez une assurance pour votre nouveau logement, pas que vous économisiez de l'argent sur votre compte en banque parce que vous avez économisé sur votre assurance logement. Voilà. L'économie, elle a besoin d'être irriguée. Donc, vous voyez, double effet du chômage, quoi. Alors ça, c'est quoi ce petit graphique-là ? Part des entreprises déclarant des difficultés d'offres ou des difficultés de demande dans l'industrie. Alors, en bleu, c'est la demande. En rouge, c'est l'offre. Demande. Donc, l'offre... j'arrive pas à voir les dates, en fait. Ah oui, là, on voit 2008. Ouais, on voit les conséquences de la crise de 2008 ici, avec une grosse crise de la demande. Et puis là, on voit une baisse brutale avec le Covid, juste là. Alors attends, je suis daltonien, donc moi les couleurs rouges, on a dit rouge, c'est offre. Hein. Ouais, ça c'est rouge, donc baisse brutale de l'offre, normal, si tous les appareils de production sont à l'arrêt ou au ralenti, avec quand même une petite hausse de la demande.
Ok, alors, le problème d'offre se transforme, comme c'est toujours le cas, en problème de demande par le biais des anticipations négatives. J'essaie de la comprendre, celle-là. Donnez-moi 2 secondes. Le problème d'offre se transforme, comme c'est toujours le cas, en problème de demande par le biais des anticipations négatives. Donc voilà, on va pas dépenser, quoi. La spirale récessive dont Mediapart soulignait le risque fin mai est alors enclenchée. La demande s'affaiblissant, les entreprises renoncent à investir et continuent à débaucher pour tenter de rétablir leurs marges. Voilà, les entreprises vont s'habituer au fait qu'il y a une rétractation du marché, les gens demandent moins, il y a moins de commandes, il y a moins d'activité. Donc il y a un effet mécanique, une spirale récessive. La demande s'affaiblissant, les entreprises renoncent à investir et continuent à débaucher pour tenter de rétablir leurs marges, et la demande chute encore davantage. C'est alors le début de la vraie crise économique. Peut-être pourra-t-elle être dissimulée sous le miracle d'un rebond et de taux de croissance élevés en fin d'année, mais elle n'en sera pas moins violente pour la population. Car on le comprend, un simple retour au niveau précédent, comme c'est le cas de la consommation des biens sur le seul mois de juin, ne suffira pas à compenser les pertes enregistrées durant le confinement. Il faudra qu'à l'effondrement de la demande succède un excédent durable de demande. Autrement, on restera dans le cadre d'une demande insuffisante. Donc la demande, c'est nous, le pognon aussi. Enfin, pas que nous, mais je veux dire, les entreprises aussi produisent de la demande. Les entreprises aussi consomment. Mais il va falloir qu'on consomme, si vous voulez. Et parce que moins... Donc il va falloir relancer la consommation, si on veut. Si j'ai bien compris, hein, reprenez-moi. Reprenez-moi dans le chat si je dis de la merde. Mais en gros... D'où le plan de relance, voilà, faut relancer, mais faut relancer pas par l'offre, quoi, faut relancer par la demande. Est-ce que s'abonner sur Twitch, c'est consommer ? Oui, oui, il me semble. Bon, jusque-là, tout est clair. Donc là, la spirale, c'est que moins il y a de demande, moins les entreprises vont s'équiper pour faire face à cette demande. Donc elles vont arrêter d'embaucher, elles vont arrêter de commander, d'investir, d'ouvrir de nouveaux entrepôts, de nouveaux magasins, de nouveaux sites de production. Et donc du coup, elles vont employer aussi, elles vont virer des gens aussi pour s'ajuster. Et voilà, et c'est parti pour l'enfer, quoi. Donc, il dit, il va nous falloir une relance par la demande, contrairement à la relance par l'offre. Autrement, on restera dans le cadre d'une demande insuffisante. Or, c'est bien ce schéma qui, plus que jamais, se dessine en France pour les mois à venir. Car, au-delà de l'aspect directement économique, décrit plus haut, la situation actuelle se caractérise par une persistance plus ou moins vive de la crise sanitaire. Cette dernière a au moins 2 conséquences. La première est de réduire directement l'activité économique par précaution ou décision des autorités. Par exemple, les activités regroupant plus de 5000 personnes demeurent interdites. Donc là, je vous le disais, on en est toujours là. Tous ces festivals, c'était autant d'occasions où vous alliez prendre un Ouibus pour aller au festival, vous alliez retirer du pognon pour aller consommer sur le festival, vous avez payé le ticket du festival, qu'allez payer des artistes, machin, tout ça. Toutes ces dépenses, vous n'allez pas les faire. Donc là, là, évidemment, ça reste... Mais en plus, imaginez, ajoutez à tout ça, alors je pense peut-être il y vient juste après, mais je pense aussi qu'il faut prendre en compte le fait que les entreprises vont devoir s'adapter à la crise sanitaire et donc mettre en place des précautions. Alors ça peut vouloir dire réorganiser les lieux, acheter des vitres en plexiglas, acheter des masques et les stocker, reconstituer des stocks de masques, limiter la concentration des gens au même endroit, donc du coup espacer plus, donc c'est plus cher s'il y a besoin de plus d'espace pour faire produire le même chiffre d'affaires à la fin, etc., etc. Et puis toutes les mesures qui vont même ralentir le travail parce que de nouveaux process vont devoir être intégrés par des travailleurs sur des sites de production. Ah bah faut se laver les mains plus souvent, faut mettre son masque, faut se faire décontaminer quand tu rentres. Donc bref, tout ça va ralentir. Il y a le télétravail aussi, il y a le télétravail. Alors ça, je sais pas quel effet ça peut avoir sur la croissance, le télétravail. Sur l'activité, peut-être il va y venir, donc voilà. Ça, c'est la première conséquence, donc, c'est que, bon, déjà, de toute façon, il y a une contraction de l'activité, puis reprenons l'exemple du tourisme, il y a moins de touristes, déjà. Donc, les bars sont mécaniquement moins pleins, les restaurants aussi, les boîtes de nuit sont fermées, les festivals sont annulés, etc. Donc, notre petit rebond fait que, de toute façon, même la suite, vu que la pandémie s'est installée, même la suite risque d'être quand même difficile.
La première, donc deux conséquences. La première est de réduire directement l'activité, ça on l'a dit. Et la deuxième, c'est de conduire à la prudence dans les dépenses. La possible émergence d'un nouveau confinement et donc d'un approfondissement de la crise économique rend les agents très prudents. Il est ainsi fort difficile aujourd'hui de prendre une décision d'investissement lorsque l'on redoute, par la persistance de l'épidémie, une nouvelle chute de revenus. Je suis allé au Café du Rhône il n'y a pas longtemps à Lyon. Je vous le conseille, hein, le Café du Rhône. Pour bouffer le midi en mode brasserie. Et eux, ils avaient repris l'établissement juste avant le confinement. Bon, sauf que dans la même situation, s'ils ne l'avaient pas fait à ce moment-là, ils ne l'auraient pas fait maintenant. Ce n'est pas le moment où on prend un établissement. Donc il y a tout un côté de nouvelles ouvertures qui ne vont pas avoir lieu, des reprises qui ne vont pas avoir lieu et qui vont se solder par des fermetures pures et simples de restaurants, d'autant de trucs comme ça, où on se dit c'est pas le moment de rentrer là-dedans, quoi. Bon, eux, aller au Café du Rhône, c'était très bon, ceci dit. Cette dernière, au moins deux conséquences. Donc voilà, donc les gens vont prudence dans les dépenses, prudence dans les investissements. La possible émergence d'un nouveau confinement et donc d'un approfondissement de la crise économique rend les agents très prudents. Il est ainsi fort difficile, la décision d'investissement, lorsqu'on redoute, par la persistance de l'épidémie, une nouvelle chute de revenus. Voilà, on n'a pas trop la confiance. Dès lors, la demande ne peut être que structurellement et durablement faible. Et la deuxième phase de la crise paraît inévitable. À cela s'ajoute l'incohérence des messages envoyés par le gouvernement. Le plan de relance, alors là il met des gros guillemets parce que j'imagine que pour Romaric Godin ça n'est pas un vrai plan de relance et c'est plutôt décevant. Le plan de relance ne sera certes connu en détail que le 24 août, ce qui est fort tard au regard de la situation. Mais Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, ne cesse de marteler que sa politique est une politique de l'offre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va continuer à donner des allègements de charges, des allègements de trucs aux entreprises. Donc, ça ne va pas du tout régler le problème de demande. Ça va faire que ce qui aurait pu être de la dette privée pour les entreprises va être transféré à de la dette publique parce que ça va être des rentrées que l'État, dont l'État va choisir sciemment de se passer. Donc, on va vous baisser la taxe sur ceci, on va vous baisser la taxe sur cela. Les entreprises, elles, qui de toute façon avaient prévu de baisser leurs coûts vu qu'il y a une baisse de la demande. De toute façon, ça les arrange, elles, de ouf. Mais nous, c'est nous que ça ne nous arrange pas. Parce que en plus, ça ne va rien régler. D'abord, ça ne va rien régler parce que ce n'est pas ça qu'ils vont faire qu'elles vont embaucher. C'est ce que dit Romaric Godin. Il dit que ce n'est pas ça qu'ils vont faire qu'elles vont avoir la confiance, qu'elles vont investir. Et ça va juste faire passer les problèmes des entreprises. Ça va les filer à l'État. Voilà. On va juste, et puis ensuite on va encore comme d'hab, voilà, sécher l'État et dire derrière, ah bah dis donc, bah il n'y a plus de sous, bah je comprends pas. Et on va faire des... Hein, c'est un peu ça, non ? T'as pensé à faire un stream avec Eureka ? Bah je le connais pas personnellement, moi je serais ravi de faire des streams avec des économistes. C'est pour ça, là je vous dis, j'essaie de comprendre un petit peu avec vous, hein. Si je dis des conneries, je dis des conneries. Et vous me reprenez dans le chat, hein. Mais là, il me semble que j'ai compris, tu vois. La politique de l'offre, enfin, en tout cas, j'ai compris ce que Romaric Godin veut que je comprenne. Moi, par contre, j'ai pas un niveau pour faire des critiques fermes de Romaric Godin. Je confirme, je suis dans une boîte de bâtiment d'une quinzaine de personnes. On va recruter car on a du boulot, pas car on a moins de charges. C'est débilissime comme raisonnement. Voilà. T'as pensé à faire un stream avec Thibaut Inchep. Mais voilà, mais la stratégie du gouvernement, ça va être ça, alléger les charges des entreprises en pensant que si les entreprises peuvent toujours produire moins cher, en fait, il espère aussi qu'une entreprise qui produit pour moins cher, c'est-à-dire avec moins de charges, avec moins de taxes, pourquoi pas baisser... moi, je vous l'avais dit quand on a regardé l'interview avec Bruno Le Maire, hein, sa piste, ça va être des économies pour l'État. Donc, on va endetter encore l'État et on va continuer à casser le droit du travail. On va continuer à exonérer les entreprises de charges. C'est nous qui allons le payer, ça, in fine, ce truc-là. Et donc... merde, je sais plus où j'allais. Mais oui, non, mais lui, il disait charge. Hein. Lui, il disait charge. Et donc, qu'est-ce que je disais ? Il l'a répété encore dans l'examen du troisième projet de loi de finances rectificatif à la mi-juillet. Ah oui, l'autre ambition, c'est cette éternelle obsession, évidemment, des grands pays à qui il reste quand même un peu d'industrie, c'est d'être plus compétitif, y compris pour exporter, quoi, en fait, aussi.
On va en profiter pour gagner des avantages comparatifs par rapport aux autres pays et baisser toujours notre niveau de prélèvement obligatoire parce que dans d'autres pays, il y en a moins. Donc du coup, nous, il faut qu'on puisse être concurrent par rapport à l'Angleterre hors Brexit maintenant, aux Pays-Bas, j'en sais rien, à l'Allemagne, à l'Italie, à l'Espagne. Il va falloir qu'on soit toujours moins cher, mais ça, c'est une obsession toute patronale, mais c'est plus une obsession du capital et de nos gouvernements et de leur idéologie technocrate très mondialisation friendly, là. C'est plus une obsession de eux qu'une obsession des chefs d'entreprise français. Il me semble, parce que là, pour le coup, les chefs d'entreprise français auraient un intérêt à ce qu'on fasse une relance, non pas pour qu'on soit toujours plus compétitif face à nos voisins, mais une relance ne serait-ce que pour que ça tourne et qu'ils puissent embaucher eux, parce que tout le monde n'est pas tourné vers les marchés étrangers, quoi. Bref, de fait, rien ne semble prévu concrètement pour soutenir la demande. Le plan de relance est centré sur des subventions aux entreprises, soit par l'activité partielle de longue durée, soit par un recul de l'imposition sur les entreprises, soit par des subventions directes. Le seul élément intéressant, ce sont les investissements directs de l'État, notamment dans la rénovation énergétique. Mais les 20 milliards d'euros à cet égard sont certainement insuffisants pour soutenir l'activité. À l'inverse, certaines mesures comme l'activité partielle de longue durée, donc le chômage partiel, dont on connaît les contours aujourd'hui, il était exceptionnel, là maintenant on connaît un peu plus les contours de ce qui va rester de ce dispositif exceptionnel, parce qu'il va en rester quelque chose dans les mois à venir. À l'inverse, certaines mesures comme l'activité partielle de longue durée peuvent, sans soutien à la demande, constituer un piège. Il s'agit d'accords, là où l'on s'entend sur un volume minimal d'emplois, donc sur un volume maximal de licenciements, et sur des baisses de revenus. Si la demande reste en berne, ces accords entraîneront pour les salariés concernés au mieux une perte de revenus, au pire une perte d'emploi. Ce sera donc favorable aux entreprises, mais pas à la demande. Au contraire, il s'agira là d'une mesure encourageant la constitution d'une épargne de précaution. Donc là, ce qu'il dit, c'est le chômage partiel de longue durée. S'il n'y a pas de soutien à la demande, on va continuer à payer des salaires aux gens sans être sûr que leur emploi se maintienne. Parce que si l'activité de l'entreprise n'est pas relancée, on a beau continuer à payer des salaires à perte, l'entreprise, à bout d'un moment, elle va ajuster sa masse salariale à la demande qu'elle trouve en face. Donc lui, il dit que c'est à terme, ce n'est pas la bonne solution. Artificiellement... Non, mais c'est ça. Là, je vous ai bien expliqué, je crois. Artificiellement, on maintient l'emploi. Mais on n'a pas relancé. On n'a pas relancé l'activité. On n'a pas donné aux entreprises de nouveaux marchés, de nouveaux débouchés. On n'a pas relancé l'économie. Donc, in fine, au bout d'un moment, on soutient des emplois à perte qui sont soit déjà condamnés, parce que les entreprises, il y en a aussi, parce que là, il y en a aussi qui vont tout simplement se casser la gueule, qui vont fermer le rideau, qui vont fermer. Le gouvernement peut dire le contraire, elles vont fermer. L'activité a repris dans beaucoup de secteurs. Bah, t'as raté le début où on parlait du rebond et où on disait pourquoi non, en fait. Oui et non. Ce sera donc favorable aux entreprises, mais pas à la demande. Au contraire, il s'agira là d'une mesure encourageant la constitution d'une épargne de précaution. C'est ça. On sait que, pendant le confinement, les Français ont dans l'ensemble constitué une épargne contrainte estimée à un montant global de près de 100 milliards d'euros. Ça, c'est ce que je vous disais un peu plus tôt, tout ce qu'on n'a pas dépensé pendant le confinement. Donc là, c'est l'épargne privée des Français dont ils parlent, j'imagine. Donc là, il y a une épargne de 100 milliards d'euros qui ne va pas dans l'économie. Comment on fait pour qu'elle aille dans l'économie ? L'enjeu est évidemment d'encourager ceux qui l'ont constituée à consommer. Pour cela, il faut rendre plus attractive la consommation et moins attractive l'épargne. Il serait donc de bonne politique de réduire la TVA temporairement, comme en Allemagne, tout en renforçant la fiscalité sur l'épargne, en particulier sur l'épargne financière. Merci, Social Supacru. Là, vous comprenez, c'est du bon sens. On veut pas qu'il y ait de l'épargne, on l'attaque, on la grignote, on l'impose, on la taxe. À l'inverse, on va pas taxer la consommation alors qu'on a besoin qu'il y ait de la consommation, donc on enlève un peu de la TVA. Là, jusque-là, il n'y a rien d'illogique. Le rétablissement de l'ISF et la fin de la flat tax sont les vrais tabous gouvernementaux que ce dernier tente de dissimuler derrière un refus général de baisse d'impôts. Oui, il s'est caché derrière... c'était les éléments de langage de Bruno Le Maire quand on l'avait écouté, c'était « il n'y aura pas, comme Emmanuel Macron s'y est engagé, il n'y aura pas de hausse d'impôts sous le quinquennat d'Emmanuel Macron ». Voilà. Emmanuel Macron avait consenti à la limite à repousser la fin de la taxe d'habitation pour certaines
couches les plus aisées pour les tranches supérieures des imposés sur le revenu. Mais Bercy a depuis dit que non. Non, non, il ira même, il supprimera aussi ces impôts-là. Donc on est dans une... Alors qu'il serait, temps justement de taxer l'épargne, taxer les patrimoines, parce que elle est là l'épargne. Hein, le pays, il n'est pas appauvri globalement. C'est les entreprises qui vont pas bien. Mais il y a des patrimoines énormes dans ce pays. Comment faire en sorte que les patrimoines irriguent même les patrimoines moyens de gens qui ont 100 000, 300 000 euros de patrimoine, je sais pas. Oh, le patrimoine est taxé. Ben oui, mais il faut le taxer plus. Là, on est dans une situation d'urgence. Mais le taxer plus, pas pour que l'État prenne tout, mais pour inciter à ce qu'on le dépense. C'est ça l'idée. Inciter à ce qu'il soit dépensé, parce qu'il faut relancer la demande. D'où l'idée de, en plus, parce que ça c'est pas très populaire comme mesure, par contre une baisse de la TVA peut être vue comme une mesure populaire. Donc c'est l'idée de faire les deux. Du coup c'est quoi la solution ? Bah, c'est ce qu'il vient de dire là, enfin lui c'est sa solution. Alors, le rétablissement de l'ISF et la fin de la flat tax sont les vrais tabous gouvernementaux que ce dernier tente de dissimuler derrière un refus général de la baisse d'impôts. Donc la flat tax, c'est un taux d'imposition maximum qui, en gros, voilà, c'est... Alors, je sais pas le terme technique, c'est pas... c'est en anglais, donc... une taxe qui aplatit pour pas que les impôts se cumulent, il y a un plafond maximum d'imposition. C'est un peu ça l'idée de la flat tax, hein. Tu ne peux pas être imposé plus que tant, même si tu possèdes énormément. Pareil, confirmez-moi. Donc là, l'idée, si c'est virer ce truc-là, cette limite d'imposition, pour dire non, là, on va imposer. Et encore une fois, pas seulement pour que l'État grignote tous les patrimoines, mais pour que ces patrimoines soient encouragés à être investis, quitte à ce qu'il ait des... c'est une relance, tout simplement cohérente. Tu veux, c'est pas des mesures confiscatoires. C'est même taxer beaucoup pour... imposer beaucoup pour faire en sorte que ces masses d'argent ne soient pas bloquées quelque part. Surtout qu'elles sont bloquées auprès d'agents ou d'institutions qui voient bien que c'est pas le bon moment pour investir vu que la demande est tassée. Donc il faut leur dire, ah bah, ouais, bah, si vous investissez pas, nous on va vous taxer ça. Ça paraît être un truc relativement cohérent. Et ces deux et là, tu vois, je vous parle pas du tout de, on n'est pas du tout sur un truc socialiste, communiste ou de réquisition ou de je sais pas quoi. On est sur de, je mets Romaric Godin se met dans la peau de d'un économiste keynésien bontain quoi, rien de choquant. Et ces deux réformes fiscales avec les réformes du marché du travail sont les piliers de la politique de l'offre du gouvernement. Et oui, parce que là, c'est là où l'économie ça pourrait n'être que de la technique. D'ailleurs, les gouvernants font souvent semblant que ça n'est que de la technique, qu'il faut bidouiller des potards pour faire en sorte que voilà, tout s'équilibre bien, vous n'y comprenez rien. Nous, on n'est pas dans l'idéologie, on est pragmatique, on fait en sorte que l'économie marche bien pour les entreprises. Bon, et pour les hauts patrimoines, parce qu'on ne veut pas qu'ils s'en aillent, voilà, vous comprenez, on ne fait que des mesures techniques. Là, il dit les réformes techniques, les mesures techniques, ce seraient celles-là. Mais en fait, le gouvernement va se refuser à les faire parce qu'en fait, il a un chemin idéologique aussi. Il a une façon de voir le monde, une façon de penser. Ces gens-là ont été formés, je vous le disais, hier on parlait de l'ENA, on parlait de Raymond Barre, hier on parlait de Raymond Barre aussi. C'est des gens-là qui ont été formés à l'austérité, aux règles aussi, aux règles aussi européennes, machin. Et à un certain logiciel idéologique. Et si tu rajoutes en plus à ça... le fait que Macron est vraiment le candidat des riches et il ne peut pas revenir sur des trucs comme la flat tax ou la suppression de l'ISF parce que c'est sa clientèle électorale. Donc là, c'est pas lui le pragmatique. Là, lui, c'est le gars idéologique qui est coincé dans les logiques politiques. Il va pas le faire parce qu'il est coincé dans ces logiques politiques électorales-là. Ces deux réformes fiscales, avec les réformes du marché du travail, sont les piliers de la politique de l'offre du gouvernement. Je vous ai dit, hein, toutes les réformes du marché du travail, c'est pareil, c'est aussi la politique de l'offre, c'est-à-dire encore une fois, faciliter la vie des entreprises, enlever le maximum de contraintes aux entreprises pour qu'elles produisent un max. Sauf que là, bon, est-ce qu'il y a encore besoin ? Déjà qu'on en a eu pas mal, il me semble, des réformes du marché du travail. Puis bon, d'un point de vue humain, c'est quand même nous qu'on se le prend dans la gueule après les réformes du marché du travail. C'est nos conditions de travail derrière qui sont impactées, c'est la durée du temps de travail, c'est notre santé, c'est le nombre de morts au travail, c'est voilà,
la suppression d'un certain nombre de sécurité sociale aussi, la réforme de l'assurance chômage. Voilà. C'est nous qui allons payer la politique de l'offre parce qu'il faut que les entreprises se mettent bien. Mais là, ce que dit Romaric Godin, c'est que, d'accord, en effet, il faudrait que les entreprises se mettent bien. Parce que là, on s'est mis dans une situation où même elles vont virer les gens et tout. Donc, il faudrait au moins qu'elles puissent employer, conserver des emplois, reprendre un peu d'activité. Mais ça ne va pas marcher comme ça, vu qu'il n'y a pas de demande. Donc, une réponse politique inadaptée. Dernière page. La France n'a pas de problème de demande, mais a un problème d'offre. Martèle Bruno Le Maire. On veut donc maintenir la fin de l'ISF sur le patrimoine financier et la flat tax sur les revenus du capital pour favoriser le financement des entreprises. Bon, ça, vous avez compris, c'est toujours on est là-dessus depuis tout à l'heure. Mais ce financement n'est pas le problème du moment. Le soutien de la BCE assure un flux de crédit bon marché en cas de besoin, mais avant de penser au financement d'un projet, il faut en avoir le besoin, autrement dit avoir des marchés en croissance pour écouler ces produits. Parce que là, de toute façon, la crise, elle est mondiale. La France n'est pas plus ruinée que les autres, en tout cas pas beaucoup. Si des entreprises vont vouloir lever des prêts, ou même si nous on veut lever des prêts, on peut encore le faire, on reste... l'économie française n'est pas parmi les plus mal engagées du monde. On peut imaginer que les prêteurs prêtent encore. Mais la question, c'est que là, ils ne vont même pas demander de prêt pour relancer l'activité ou pour investir, tant qu'il n'y a pas de demande. Donc ça, c'est vraiment l'idée centrale de l'article, je crois, cette histoire de demande. Prétendre qu'on a en France qu'un problème d'offre, c'est prétendre que l'épargne est insuffisante. Et c'est contraire aux faits. C'est ce que je vous disais sur le fait qu'il y a de l'argent. Il y a de l'argent, c'est comment il circule là qui va pas. C'est donc une politique contre-productive qui encourage l'épargne et estime que la création d'un emploi ne répond pas à la satisfaction d'une demande. C'est non seulement une mauvaise analyse de la situation, mais aussi un risque. Ainsi, lorsque le gouvernement ne renonce pas à ses projets de réforme de l'assurance maladie et des retraites, mais se contente de les repousser, il envoie un message négatif fort à ceux qui sont menacés par le chômage et à ceux qui vont prendre leur retraite. Donc là, il dit même la politique, finalement, de l'offre qui était en faveur des entreprises, qui était pensée en faveur des entreprises, elle est tellement violente, elle est tellement dure avec les salariés qu'elle crée des salariés inquiets qui se mettent à épargner. Même quand ils ne sont pas dans la pauvreté, machin, tout ça, surtout évidemment ceux qui ne sont pas dans la pauvreté, les attaques générales sur l'assurance chômage, sur les retraites, si on se dit qu'on peut moins compter sur notre assurance chômage, on va plus tendance à avoir envie de mettre des sous de côté. Même vous, à titre personnel, même sans être un grand épargnant, vous vous dites, tiens, ce serait peut-être pas mal que j'ai 2000 balles de côté, au moins. Même si vous, tout seul, ça change pas grand-chose. Mais à l'échelle du pays, si tout le monde fout 2000 balles de côté parce qu'il a pas confiance en l'assurance chômage, voyez l'idée, quoi. Voyez comment, même chez nous, ça a un impact, ces politiques-là. Cette angoisse sociale génère des comportements d'agents économiques angoissés qui stockent. Ainsi, le gouvernement renonce pas à ses projets de réforme d'assurance maladie et des retraites, mais se contente de les repousser. Il envoie un message négatif à tous ceux qui sont menacés par le chômage et à ceux qui vont prendre leur retraite. Dès lors, ces personnes sont naturellement enclines à épargner ou à conserver leur épargne pour se prémunir contre ces réformes qui attaqueront directement leurs revenus. Bref, il ne suffit pas de creuser le déficit public pour faire une bonne politique, ni même une politique keynésienne. La mise à disposition des moyens publics à l'usage exclusif des entreprises qui créent des emplois, alors là il met des guillemets et des traits d'union, c'est vraiment pour se foutre de la gueule de Bruno Le Maire et de la vision qu'on a là de l'économie chez les macronistes. Les entreprises créent les emplois, donc on va sucer la bite un max aux entreprises de toutes les manières, elles vont créer des emplois. Pas nécessairement, c'est pas aussi simple que ça. La mise à disposition des moyens publics à l'usage exclusif des entreprises qui créent des emplois constitue non pas une inflexion de la politique économique d'Emmanuel Macron, mais la poursuite de celle entamée en 2017. Et puis on pourrait même aller loin et puis dire qu'elle n'a pas été entamée en 2017, elle était aussi entamée chez Hollande, etc. Alors que Macron était d'abord conseiller économique de Hollande, puis ensuite ministre. C'est une forme de socialisme de l'offre qui en réalité répond aux intérêts immédiats et microéconomiques d'une classe sociale, mais nullement à ceux de l'économie française et des plus fragiles. C'est aussi une façon d'utiliser le déficit, non pas pour compenser les pertes de demande explicables par la constitution de l'épargne, mais bien plutôt pour assurer le maintien hypothétique de la rentabilité du capital. Bref, c'est une erreur stratégique. Au reste, l'absurdité
contre-productive de la politique gouvernementale commence à se concrétiser dans les faits. Début juillet, l'INSEE, dans son point conjoncture, soulignait que désormais les entreprises elles-mêmes identifient le manque de demande comme la première de leurs difficultés. Donc contrairement à ce que dit Bruno Le Maire. Bruno Le Maire dit qu'il n'y a pas de problème de demande, c'est un problème d'offre. Et apparemment, selon l'INSEE, les entreprises ont elles-mêmes identifié plutôt la demande. Cela a été vrai aussi bien dans l'industrie, 55% des chefs d'entreprise signalent principalement des problèmes de demande contre 30% d'offres, que dans les services, 45% contre 28%. C'est le début sans doute du phénomène que l'on a décrit plus haut. La faiblesse de la demande empêche la reconstitution des marges. Mais Bruno Le Maire continue à regarder ailleurs. Emmanuel Macron a assumé le 14 juillet une certaine modération salariale, la fameuse modération salariale. Et Jean Castex, dans son discours de politique générale le lendemain, a proclamé que l'économie, c'est l'initiative et l'entreprise. C'est vrai que même Donald Trump a fait, on appelle ça de la monnaie hélicoptère, hein. Les Américains ont reçu un chèque de 1 200 euros, chacun. On leur disait pas comment le dépenser, c'était pas sous condition de ressources. Ils ont reçu le petit chèque, alors à l'américaine, avec Trump qui dit « moi Donald Trump », enfin pas « moi Donald Trump », mais... Nous, l'Amérique, on vous donne ça. Voilà, c'est la monnaie hélicoptère. C'est des pistes de relance qui avaient été imaginées aussi par la BCE il y a quelque temps. Il y a des écoles, je veux dire, la BCE, ils font pas toujours la même chose. Et puis en Europe, il y en a qui se battent pour que la BCE fasse autre chose. Et l'idée d'irriguer, non pas en irriguant les entreprises de prêts gratuits et puis en asséchant le droit du travail, mais d'irriguer directement les gens en leur disant « allez-y, consommez ! On vous donne un peu de thunes. Vous pouvez voir venir, on vous met un peu à l'aise. Et on vous donne la confiance, quoi. Ça peut marcher, en tout cas, même Trump l'a fait. Merci, Xuaveneg. Donc, oui, je crois qu'on appelait ça de la monnaie hélicoptère, exactement. C'est pas mal, quand même. Vous auriez bien, ça fait du bien, un petit chèque de 1 200 balles, vous seriez tranquille, quoi. Vous ne seriez pas tranquille parce que vous ne savez pas si vous allez garder vos emplois plus tard. Mais au moins, ça aurait soutenu et ça aurait évité la spirale. Ça aurait pu freiner la spirale qui fait qu'on arrête en plus de dépenser. Ouais, le chat, il prend. Hein. Ah, ouais, il y en a, ils arrêtent les brocolis. Au reste, l'absurdité contre-productive commence à se concrétiser dans les faits. Donc là, c'est ce que je vous disais. Mais Bruno Le Maire continue de regarder ailleurs. Emmanuel Macron a assumé une certaine modération salariale. Alors vous savez ce que ça veut dire, modération salariale, ça veut dire pas d'augmentation de salaire. Et pourquoi pas même une compression salariale, ça peut être on peut appeler ça aussi la désinflation compétitive. Parfait pour la compétition intra-européenne, hein. C'est pas mal. Mais comment tu veux qu'il y ait une relance de la demande si on dit qu'on va serrer le kiki à tout le monde et qu'en plus ils vont perdre leur retraite, leur chômage, leur machin? Ça va être compliqué. Mais bon, si l'économie c'est l'initiative et l'entreprise, c'est marrant parce que Jean Castex, je vous avais dit dans l'émission de Laëlia Véron, quand vous entendez l'économie française, ces gens-là ne parlent pas de l'économie française. Là, on parle de l'économie française. Ces gens-là, le gouvernement parle du capitalisme français. Et c'est exactement ce qu'il nous dit là, en fait. L'économie, c'est l'initiative et l'entreprise. Voilà. Ça, pour lui, c'est l'économie. C'est l'horizon de sa vision économique. Arroser les entreprises à tout prix. Et appauvrir les droits des travailleurs autant que possible. Alors, c'est quoi son tableau, là? C'est quoi? Opinion des ménages, l'indicateur synthétique et les soldes d'opinion. Je sais même pas ce que c'est. Ah oui, c'est l'opinion des gens sur leur capacité d'épargne actuelle. Alors, l'indicateur est normalisé de manière à avoir une moyenne de 100 et un écart type de 10 sur la question sur la période d'estimation. Moyenne 100. Ouais, je comprends rien. Je comprends rien, les gens, donc je vais pas me perdre dans le tableau parce que le temps que je comprenne, je vais pas comprendre tous les paramètres. Enfin, on peut voir simplement que si ça, c'est la capacité d'épargne actuelle. On voit que, regardez, 19 en avril, 19 en mai, elle a augmenté en juin et en juillet. C'est-à-dire que les gens épargnent plus, ont eu des opportunités d'épargner. Ils ont repoussé les achats importants, majoritairement dès avril, évidemment, etc., etc. Chômage, perspective d'évolution. Moi, j'imagine que les gens ont encore plus peur d'être au chômage maintenant. Et ils ont peur de l'évolution des... Enfin, ils ont peur. Voilà, les gens ont peur et du coup, ils épargnent un peu.
Ceux qui s'y connaissent pas, il faut placer un peu d'argent. Pour le faire fructifier. Ça, je sais pas, faut demander à Agnès Pannier-Runacher. Avec de tels doctrinaires aux commandes. Donc là, on arrive sur la conclusion de Romaric Godin. Donc je vous rappelle ce qu'il disait depuis le début, si on fait le bilan. Il disait qu'en gros, il faut relancer la demande, mais la politique de l'offre qui est portée par le gouvernement, même si certains chefs d'entreprise vont en fait déjà commencer peut-être éventuellement à la critiquer, ce qui serait même pas mal, si tu veux, les capitalistes désavoués par les propres capitalistes qu'ils sont censés servir. Avec de telles doctrinaires aux commandes, on ne doit pas s'étonner que le risque de spirale récessive commence à se matérialiser. La dernière enquête sur le moral des ménages de l'INSEE, publiée le 28 juillet, donc il y a 3 jours, je le confirme. À la grande surprise des optimistes et des contemplateurs du rebond, j'ai vu qu'il y avait dans le chat tout à l'heure des gens qui disaient « non mais c'est bon, il y a le rebond », l'indicateur synthétique de ce moral est retombé en juillet à 94 contre 96 en juin. Il est repassé sous son niveau d'avril, 95. Mais un élément est particulièrement inquiétant, l'opportunité d'épargner durant l'année à venir augmente nettement. Ça veut dire que les gens déjà ont épargné, c'est ce que je vous le disais, là il disait qu'il y avait 100 milliards, les Français ont à eux tous épargné 100 milliards, donc 100 milliards qui servent à rien, qui sont quelque part, qui sont dans les... voilà. Ils ont épargné ça, mais en plus ils ont prévu de continuer à épargner, donc c'est pour ça qu'il dit qu'il va y avoir spirale. L'opportunité d'épargner durant l'année à venir augmente nettement. La différence entre ceux qui pensent qu'il est temps d'épargner et ceux qui jugent qu'il faut au contraire vider son bas de laine atteint 23 points, soit un niveau 9 points supérieur à celui de juillet et qui ne s'était jamais vu en France depuis décembre 2014. C'est bien la crainte du chômage qui explique cette tendance. Les perspectives d'emploi sont perçues très négativement par les ménages. La différence entre les pessimistes et les optimistes atteint 76 points. C'est certes 2 points de moins qu'en juin et autant qu'en mai, mais c'est considérable. En février, les optimistes étaient légèrement plus nombreux que les pessimistes, de 3 points. Et un tel niveau de pessimisme n'a jamais été atteint depuis juin 2013. Mais très significativement, le chômage n'est pas le seul moteur de l'envie d'épargner, puisque le solde s'améliore à la marge de juillet. Le peu d'inclinaison à la consommation... l'opportunité de faire des achats importants se dégrade encore d'un point, le pessimisme sur le niveau de vie général en France et la politique du gouvernement incitant à l'épargne sont autant de facteurs qui contribuent à cette tendance, surtout s'ils se renforcent les uns les autres. Il est sans doute trop tôt pour tirer des conclusions définitives dans un environnement très incertain, mais ces données, la persistance de la pandémie et la volonté du gouvernement de ne pas relancer franchement la demande pour compenser l'augmentation de l'épargne contribue à alimenter un certain pessimisme sur la situation future de l'économie française, déjà une des plus touchées par la crise actuelle. L'incapacité du capitalisme contemporain d'utiliser cette épargne pour augmenter sa productivité par des innovations et en retour sa nécessité de faire pression en permanence sur le monde du travail complexifie encore plus le tableau de l'économie d'après Covid. Oui, parce que si on persiste dans cette voie, non seulement cette épargne s'accumule, il faut pas qu'on y touche parce que sinon les fortunes elles vont s'en aller. Et il y a aussi le rapport de force qu'ont fait les bourgeois, qu'ont imposé les bourgeois avec l'évasion fiscale, avec les paradis fiscaux. Touchez pas au Grisby, quoi. Et voilà, donc ça aussi, il y a une lutte des classes qui est à l'œuvre et c'est aussi cette pression-là qui a tordu le capitalisme contemporain, qui n'ose plus utiliser des leviers qu'il a pourtant su utiliser dans le passé. Le keynésianisme, c'est capitaliste, c'est pas du socialisme. Et donc du coup, on a réduit nos marges de manœuvre, ils nous ont imposé un rapport de force de bâtard. Du coup, leur épargne ne s'investit nulle part. Notre appareil de production n'évolue pas aussi vite qu'il pourrait évoluer aussi bien. Alors, il parle d'innovation, mais on pourrait aller plus loin et parler d'innovation verte, des trucs qui... Vous savez, Macron nous dit que ça va nous permettre d'être plus forts dans le futur. Certes, mais si on n'oblige pas les gens à investir... Mais lui, il veut pas obliger. Parce que si on oblige, ils vont partir. Voilà, il est dans ce truc-là, il est toujours dans ce truc-là. Et puis, il rajoute à ça que... Et d'ailleurs, je compléterai son propos... que les attaques perpétuelles contre le monde du travail fragilisent aussi la production. J'entendais les chiffres de la SNCF il n'y a pas longtemps, mais les attaques contre le monde du travail fragilisent les travailleurs, et or les travailleurs sont nécessaires dans l'appareil de production. Et plus ils vont se mettre en grève, plus ils vont se mettre en arrêt maladie aussi. Pensez à tous les gens qui se blessent au fur et à mesure qu'on augmente les temps de travail, qu'on baisse les niveaux de sécurité, qu'on épuise aussi les gens avec des horaires intenables. Pensez à ces gens
qui travaillent avec des horaires décalés, qui travaillent avec des horaires éclatés dans la journée. Je fais le service du midi, puis je fais le service du soir. Ces femmes de ménage qui commencent le matin, qui font quatre entreprises avant d'avoir une pause le midi, de pouvoir en refaire une autre à 18h, machin. On est en train d'éclater les gens. Et en vrai, même l'économie n'a pas besoin qu'on ait des travailleurs détruits. Parce que ça coûte cher à l'économie des travailleurs détruits. L'économie a besoin de travailleurs et de travailleuses. Et rajouter à ça aussi que les conflits sociaux, qui vont pas manquer d'advenir et qui seront mérités, pareil, vont continuer d'handicaper aussi la production. Vu qu'il va y avoir des grèves, vu qu'il va y avoir des mouvements de résistance si on continue à nous pressurer, et c'est bien légitime. Donc voilà, très mauvaise stratégie, c'est ça qu'il nous dit, quoi. Elles ont déjà échoué, voilà, ces recettes. Ah oui, voilà, non, hop, après Covid. Donc voilà, je résume. L'incapacité du capitalisme contemporain d'utiliser cette épargne pour augmenter sa productivité par des innovations et en retour, sa nécessité de faire pression en permanence sur le monde du travail complexifie encore plus le tableau de l'économie de l'après-Covid. À chaque crise, la croissance potentielle des économies, autrement dit leur capacité à dégager du profit, se réduit. Et si ni les réformes structurelles, ni la croissance verte, ni la numérisation ne sont des réponses appropriées. Elles ont déjà échoué. Et parce qu'on ça fait un bout de temps la numérisation quand même. Si on avait dû voir un bond de croissance de 15% grâce à la numérisation et surtout un bond de productivité en fait, et bah, il est possible que les bons de productivité du numérique, le patronat les a déjà absorbés en dividendes et on n'en a pas vu nous beaucoup la couleur. Mais pensez en termes de masse de pognon là, qui s'accumule, elle s'accumule où? Les gens en font quoi? Ils investissent où avec? Ils vont jouer à la bourse avec? Ils font quoi? Ils investissent dans la pierre, dans l'immobilier? Ils prennent des grands immeubles qui vont dormir jusqu'à ce qu'ils aient pris de la valeur? Ils spéculent? Ils font quoi avec ça, l'argent? Spéculer, c'est pas nécessairement investir, hein. Bref, alors, voilà, l'idée, c'est que voilà, toute cette masse de pognon, comment on fait pour qu'elle irrigue l'économie? Comment on ne laisse pas les... Et c'est ça le problème du capitalisme, hein. Le problème du capitalisme, enfin, il y en a plusieurs, hein, y a l'exploitation, ouais, y a d'autres trucs, mais un des problèmes majeurs du capitalisme, c'est que, eh bien, c'est pas le collectif qui décide de l'investissement. Il y a des masses d'argent qui sont accumulées et les capitalistes choisissent comment les accumuler, quand les accumuler. Alors on aime bien se dire que bon bah ils sont raisonnables vu qu'ils cherchent le profit, ils vont chercher le profit et puis leur profit sera le profit de toute la société finalement quelque part. Bah ils sont peut-être pas si bons que ça et ils sont peut-être même aveuglés par certains de leurs biais et puis de temps en temps ils sont tous cons en même temps. Et on appelle ça une crise. Et donc c'est ça le problème du capitalisme, un des problèmes du capitalisme, c'est qu'on ne maîtrise pas l'investissement. On ne maîtrise pas l'investissement, pire, on ne se donne pas les moyens de le maîtriser, de l'orienter, de le stimuler. Et du coup, les capitalistes ont un pouvoir extraordinaire sur l'économie, qui finit par être un pouvoir sur nos vies, et qui parfois est un pouvoir exercé de manière ubuesque, parce que ils n'ont pas bon tout le temps, quoi. Loin de là. À tout point de vue, alors, qu'est-ce qui continue? À chaque crise, la croissance potentielle des économies, autrement dit leur capacité à dégager du profit, se réduit et ni les réformes structurelles, ni la croissance verte, ni la numérisation ne sont des réponses appropriées. Elles ont déjà échoué. Reste le dopage monétaire des marchés financiers et immobiliers jusqu'à la prochaine crise. À tout point de vue, la méthode Macron-Castex semble la plus lamentable et dès lors, au-delà du chiffre alarmant du PIB, de ce 31 juillet, l'inquiétude reste donc à l'ordre du jour. Une terrible et durable crise sociale s'annonce et confirme l'urgence de sortir de la politique de l'offre pour se diriger vers un soutien à la demande et une réorganisation en profondeur de l'offre productive française. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Bon. Est-ce qu'on est clair là-dessus? Est-ce qu'on développe 2-3 trucs avant qu'on fasse la petite pause et qu'on démarre sans doute comme d'hab le... Donc ouais, je dirais pour ceux qui sont arrivés en cours de route, on parlait un petit peu d'économie, on commençait un peu par le chiant. Là, je vais faire un peu le SAV de la lecture. Mais ensuite, on va faire la partie un petit peu plus histoire, hein, paléo-politique.
On va regarder Jean-Marie Le Pen dans l'heure de vérité. Regardez-moi la grosse gueule au père Le Pen. Ça va être très sympa aussi. Et là, on va parler plutôt... On va parler aussi des médias. On va parler aussi de la banalisation, de la stratégie qui a été celle du Front National. Comment tu passes d'un parti groupusculaire et effrayant à la grosse machine familiale que c'est devenu aujourd'hui, la belle petite entreprise familiale que c'est devenu aujourd'hui. Mais voilà, donc, hop, je remets le chat devant. Tac. Attends, j'ai remis le chat devant, qu'est-ce que j'ai fait ? Oui, si, c'est bon, je remets le chat devant, voilà. Il y a une tribune sur le partage du pouvoir dans les entreprises, dans les échos, signée par Friot. Ah, très bien, ça peut être intéressant. Mais tu vois, c'est vrai que quand t'as dit le partage du pouvoir dans l'entreprise, là, c'est le grand truc aussi de la CFDT. Évidemment, c'est à faire. C'est une chose à faire. Ne serait-ce que si on aime la démocratie, il n'est pas absurde de demander aussi la démocratie dans les entreprises, tu vois, dans les collectifs de production. Mais là, c'est pas ça qu'on a vu comme autre truc du capitalisme qui va pas bien. T'as beau avoir partagé le pouvoir équitablement dans l'entreprise à l'intérieur, c'est pas ça qui fait que tu vas en finir avec le capitalisme non plus. Même si c'est une chose à faire, on voit là que le gros truc odieux du capitalisme, c'est qu'on maîtrise même plus notre destin collectif. Parce que c'est les grands capitaux, c'est les grands capitalistes qui décident de l'investissement, quand investir, dans quoi investir. C'est aussi pour ça qu'on n'a toujours pas fait la transition, qu'on n'a toujours pas amorcé une vraie transition écologique, parce que les capitalistes attendent que ce soit rentable. Alors évidemment, il y a tout un tas d'entreprises qui dépendent des industries les plus polluantes, etc., et qui ne veulent pas qu'on la fasse tout de suite. Il y en a qui ont investi dans les énergies fossiles et qui veulent qu'on attende que ce ne soit plus rentable et qu'ils aient eu leur retour sur investissement avant qu'on passe enfin à autre chose. Voilà, donc là, mettant que c'est les capitalistes qui décident de comment on emploie les capitaux, on pourra décider n'importe comment à l'intérieur des entreprises. C'est un des maillons, c'est un des trucs intéressants, mais il va falloir aussi... mais c'est un des aspects seulement des questions. À quoi sert la démocratie si le peuple est incompétent et brainwashé par l'élite ? Mais j'ai envie de retourner à la question. À quoi sert l'élite si elle est aussi incompétente ? Là, est-ce qu'on est vraiment dans un système tout à fait démocratique ? L'article disait au contraire là qu'on avait plutôt des élites incompétentes. Emmanuel Todd dit pas le contraire. D'ailleurs, écoutez-le quand il parle en ce moment de maintenant, il a un nouveau mot pour parler de la classe qui nous gouverne, de la classe gouvernante. Il parle d'une aristocratie stato-financière. Donc d'une espèce de petite caste. Il dit bien sûr il y a des grands capitalistes, il y a des Bernard Arnault, il y a des gens comme ça qui eux voilà avancent à la pas du gain, etc. Bien sûr. Mais il y a aussi, mais c'est pas eux qui ont tout à fait les manettes de l'État. Ils ont confié l'État à une petite élite, une petite aristocratie qui gère les entreprises privées parce qu'elle a fait l'ENA et qui va du privé au public et qui est relativement corrompue d'ailleurs à cause de ça. Et voilà, et ces gens-là, la quintessence de ça, bah, c'est Emmanuel Macron et ça, c'est tous les autres. On a une élite relativement dégénérée et qui est plus en phase avec ce dont on aurait besoin, c'est-à-dire des gens intelligents capables de faire face à la crise. Pas des gens qui continuent à reproduire les recettes qu'ils ont apprises dans les années 80 ou dans les années 90, au moment où la situation historique était tout à fait différente. Or, cette petite élite, selon Emmanuel Todd, un des trucs qui est dramatique dans cette petite élite, c'est qu'elle se coopte et qu'elle se reproduit en triant tous les gens qui pensent pas comme elle. Que ces grandes écoles, que ces trucs comme ça, trient tous les gens qui ne pensent pas que l'Union européenne, c'est l'avenir, qui ne pensent pas que les marchés financiers, il faut être bien docile avec eux, qui ne pensent pas que la politique de l'offre, c'est merveilleux, etc., etc. Et donc, vu que tous ces gens-là sont écartés au fur et à mesure, à la fin, il reste juste qu'une élite où ils pensent tous à peu près pareil. On se retrouve avec des gens qui sortent aussi bien de l'ENA ou d'école de commerce, comme Agnès Pannier-Runacher, par exemple. Elle, c'est école de commerce. Et je veux dire, du coup, il y a de la... Voilà, si vous voulez, je fais un peu la voix. Ça me pose pas de problème. Hein. Moi, je suis aussi là pour... excusez mon grand âge. Voilà. Il fait toujours des blagues sur le fait qu'il est vieux et du coup, il dit des bêtises.
Et voilà, donc il y a un degré de bêtise qui est en train de s'accumuler en haut. Et plus on a des appareils éducatifs qui trient et qui ne laissent pas passer les gens qui pensent un peu en dehors de la boîte, les gens qui sont un petit peu intelligents. Du coup, il y a de l'intelligence qui s'accumule en bas et de la bêtise qui s'accumule en haut. Donc on a une élite relativement inepte et relativement inadaptée à la situation économique, à la crise qu'on connaît maintenant, quoi. Voilà, merci, le meilleur modérateur. Ah, t'es le meilleur modérateur, toi ? Peut-être besoin de toi, c'est vrai qu'on en parle. J'en ai pas raté, parce que j'ai enlevé mon casque depuis tout à l'heure, j'en ai plein le cul. Non, c'est pas du branco dans le texte. Branco, il fait des grandes phrases sur tout ce corrompu. Mais lui, il peut pas dire ça, branco, parce que lui, il est issu de cet appareil de sélection-là, qui laisse aussi passer que les psychopathes narcissiques aussi, il faut le dire aussi. Et vu que lui aussi est un peu un psychopathe narcissique, il va pas critiquer ça non plus. Je fais pas confiance à Juan Branco sur sa critique des élites. Lui-même, il trouve juste que ces élites-là sont mauvaises parce qu'en fait, c'est une bande de copains qui se reproduisent entre eux, d'accord, ok. Sauf que lui, eh ben, il a pas eu les postes auxquels il aurait aimé aspirer. Et lui, il est pas dans la bande, donc il est un peu jaloux. Il est à côté, il est pas dans la bande. Il dit merde, moi je serais une meilleure élite que ça. Mais moi, je veux pas d'un. Voilà, c'est ça, Branco, en fait. Il dit moi je serais une meilleure élite que ça. Sauf que je sais pas s'il nous faut des brancos ou s'il nous faut autre chose que des brancos, s'il nous faut un meilleur... S'il nous faut des assemblées, des conventions nationales citoyennes. Pourquoi on n'a pas fait une convention nationale citoyenne sur l'économie avec des débats publics avec... Moi, je crois en l'intelligence collective, quoi. Branco, tu comprends pas ce qu'il dit. Il dit exactement ça et critique parfaitement le système auquel il a participé. Bon, ben, je comprends sans doute pas ce que dit Branco, mais il m'énerve quand même. Le fait est que si ça avait mieux tourné pour lui, je suis pas sûr qu'il l'aurait critiqué comme ça. Bref. Est-ce qu'on fait notre pause ici ? Non, mais j'interprète à ma façon, je vais pas me lancer sur une polémique sur Branco. Moi, c'est juste le temps, je vous mets un petit écran de pause, une petite musique, je vais faire un petit pissou, je vais changer ma bouteille d'eau et tout. Et puis on enchaîne sur Jean-Marie Le Pen et donc le paléopolitique. Va falloir que j'aille changer le nom du stream et voilà. Je verrai ça. Puis faut que je mette de la musique aussi. C'était bien Moroder. On va rester dans la même ambiance. Giorgio Moroder. Tiens voilà.
Voilà. Bon. Voyez pourquoi quand j'entends des récupérations de... Ouais, non mais... Hop, continue pas sans moi. Merci aussi à Castonia. Et je sais pas ce qu'il devient Dorian, faut lui demander directement. Mais il est prof, il me semble toujours. Et quand j'entends les fachos récupérer des proches en faisant style qu'il aurait été de leur camp, du côté de la liberté d'expression à tout prix, etc. Non, il s'imposait lui-même un certain nombre de limites, dont celle de préférer rire des racistes que de rire avec les racistes. Et que la plupart du temps, il me semble que les racistes l'ont surtout mal compris. Ou alors ils font exprès, moi je postule quand même qu'il y a quand même une grosse dose de mauvaise foi de toute façon dans les récupérations de l'extrême droite, et que donc il n'y a rien de très étonnant à ce qu'ils continuent d'essayer de faire ça, mais juste soyez pas dupes quoi, c'est pas des proches, c'est pas le rire à tout prix, rions de tout et de tout le monde, non, c'est un rire engagé, et c'est certainement pas un rire engagé du côté de ceux qui se font passer pour des défenseurs de la liberté d'expression, qui sont surtout des défenseurs de la liberté d'être racistes et de repousser toujours plus loin les trucs racistes qui peuvent être dits quoi. Donc je préférais terminer là-dessus, voilà, je pense que c'était pas plus mal, au moins ça éclaircit un peu le propos. J'espère que vous avez retiré quelque chose de ce stream qui a été pénible, je le referai pas tout de suite, je pense que ça a été pénible pour les modos, que je remercie aussi. J'avais prévenu qu'ils allaient être secs précisément parce que le sujet ne se prêtait pas à tous les débordements... ni à tout, à toutes vos petites saillies d'esprit critique qui voudraient aller contre le politiquement correct et qui parfois n'étaient que de vagues provocations, mais qui ont été interprétées comme des vagues provocations dans un contexte où j'avais dit c'est pas le moment de faire des vagues provocations. Merci à DabXwan, elle est prime quand même. Mais voilà, j'avais prévenu que c'était pas le sujet, si tu veux, sur quand on parle d'autres choses. On peut être éventuellement un poil plus patient, mais là non, il me semble qu'on a entendu assez d'horreur pour ce soir. Donc c'était pas plus mal de terminer sur un truc un petit peu plus smooth politiquement, un petit peu plus bienveillant, dirons-nous. Et puis ouais, GG aux modos, exactement, GG les viewers, GG les modos, merci Vader666. Et puis on va s'arrêter là. Hein, oui, on va raid un créatif, absolument. Absolument. En plus, je vois qu'il a du monde, donc il doit faire un gros truc. Ça se trouve, il fait un gros truc, là. Première fois sur le stream, je reviendrai. On traite pas toujours de ça. Et puis, il y a toute la première partie sur l'économie, où on a parlé d'autres choses. Très bien. Alors, comment on fait raid? Il me semble que c'est dans ce sens-là, raid. Maintenant, je crois que je sais faire. 1 _ créatif sans accent. Est-ce que ça marche, ça? Ouais, maintenant ça marche. Allez, on va y aller. On va y aller tous ensemble. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'être passé. Et à la prochaine fois. De toute façon, il y aura un peu plus de stream maintenant que je suis confiné. Allons faire un bisou à un créatif. Peut-être qu'il fait son stream de créatif. C'est pas impossible. C'est peut-être pour ça qu'il a plein de monde. Ou alors il a peut-être toujours plein de monde. Auquel cas, GG à lui. Et à la prochaine. Des bisous. Je lance le raid. Voilà, et je vous souhaite une bonne nuit aux autres qui n'ont pas suivi le raid.